Éducation dans ce journal, la 11e promotion de l'université internationale, Cheikh Modibo Diarra a organisé une cérémonie de remise des diplômes de ses étudiants qui sont en fin de cycle. Cela va de l'obtention d'un diplôme de licence à la recherche de l'emploi. La remise a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des parents, amis, proches et collaborateurs. Suivez ce grand format de Hadji Bousso et Amara Doumbouya. Les étudiants de la 11e promotion de l'université Cheikh Modibo Diarra sont en fête. Ce dimanche, parents, amis, proches et encadreurs sont tous venus rendre grandiose cette cérémonie de remise des diplômes qui marque la fin de leur cursus universitaire. Bon, comme vous êtes en train de constater, la cérémonie se passe dans les règles de l'art parce que les crédits ont été validés par les étudiants. Si vous prenez cette institution au niveau universitaire, nous avions les filières comme banque et assurance, nous avions transit et douane, nous avions comptabilité, nous avions administration des affaires, nous avons économie et finance. Au jour d'aujourd'hui, c'est les options de la faculté des sciences économiques et de gestion qui sont en train de fonctionner. Les autres options comme droit, comme sociologie, comme anglais informatique, comme journalisme existent et sont agréés par l'État, mais le fait effectif fait que ces options ne fonctionnent pas. Et au niveau de ça, que licence, c'est 10 matières qui se passent. Les 3 années, ça fait 30 matières, ce qui équivaut à un crédit de 180 crédits, pour dire que l'intéressé a une licence, appelée licence, dans tel ou tel. Et quand vous descendez au niveau de l'Institut, nous avions la santé, qui regorge infirmier d'État, sage-femme, préparation à la pharmacie et ATS. Et quand vous allez toujours au niveau de l'institut en question, nous avions comptabilité, nous avions transit et douane. Donc ces options bougent bien. Au jour d'aujourd'hui, quand nous on a présenté 80 et quelques candidats au niveau de l'examen national, il y a eu 2 qui ont échoué. C'est un devoir pour cette université de suivre ses étudiants dans le cadre de la recherche de l'emploi. Nous avions la vitalité de nos programmes, qui signifie que tous ceux qui ont terminé beaucoup de travail, et on a cette liste, ils viennent nous dire et on les suit de près. Les invités d'honneur, présents lors de la cérémonie de remise, ont tous exprimé leur satisfaction avant de préciser. Je vais vous donner les 6 conseils que Arnold Schwarzenegger a donné à la jeunesse du monde pour réussir. Le premier conseil de Arnold Schwarzenegger, il a dit: il faut avoir confiance en soi-même. Enfreindre aux règles, mais pas aux lois. Le troisième conseil que je vais vous donner, il faut vous méfier des sceptiques. La 4e règle, je vais vous donner rapidement, et c'est important. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. La 5e règle, ça va passer très vite. Il faut travailler dur. Et la dernière règle, je vais me limiter par ça, c'est la 6e règle de réussite. Mesdames et messieurs, vous allez avoir vos diplômes. Mais en réalité, il y a d'autres aussi qui ont leurs diplômes. Et pour terminer donc, la 6e règle de réussite, il s'agit de donner aux autres. Quand vous faites ça, je vous assure que vous rentrez dans l'histoire de votre pays. Et je souhaite à cette promotion plein succès dans le marché de l'emploi. C'est un marché qui ne va pas, qui a tolérance zéro. Parce qu'il y a des milliers qui sortent chaque année, mais il y a de place que pour des centaines chaque année. Alors battez-vous pour être parmi les meilleurs. Je voudrais ici saluer pour cette organisation et surtout pour le travail que vous accomplissez tous les jours dans le cadre de la formation des futures élites de notre pays. Monsieur le directeur général de Charou, de vous dire toute sa satisfaction de l'honneur que vous lui faites en lui choisissant pour être parmi les invités de cette cérémonie de remise de diplôme à la 11e promotion de votre institution de formation. Je me charge de vous dire également, la porte de la Direction générale de l'enseignement supérieur est grandement ouverte
aux autorités de cette université, à monsieur le fondateur de cette université, mais aussi aux récipiendaires qui font la 11e promotion. Par ailleurs, le fondateur de l'institution explique ce qui l'a animé à créer ce temple du savoir et lance son dévolu sur l'État. J'ai juste posé un édifice pour apporter une pierre dans l'édification de ce secteur qui est l'éducation. Parce que j'ai trouvé que notre pays est en manque d'infrastructures scolaires. Le système éducatif guinéen, il faut le reconnaître, aujourd'hui manque de tout. Notre État aujourd'hui, disons, a le plus faible taux budgétaire dans le cadre de l'éducation. Dans tous les pays du monde, il y a des universités privées. L'État, au lieu d'améliorer ce qui existe, parce que si nous, on a accepté d'investir dans ça, n'étant pas des professionnels, l'État devait se saisir de cette opportunité pour dire bon, nous allons améliorer. Si en tout cas il y a des failles, l'État pouvait améliorer au lieu d'abandonner des bâtiments. Nous sommes des citoyens guinéens. C'est de l'argent qu'on a mis. Cet argent-là, c'est l'État guinéen. C'est pour l'État guinéen. Nous appartenons à ce pays. Cette année, ils sont des centaines d'étudiants diplômés dans plusieurs options confondues à l'université SEC Modibo Diarra, qui fait partir aujourd'hui des meilleures universités guinéennes qui forment des excellents cadres dans le domaine professionnel et technique.